Seigneur, nous sommes venus ce matin parce que nous avons soif de toi, soif de parole et de vie, soif d'évangile et d'esprit. Loin de toi, notre vie s'assèche, doucement notre foi se flétrit. Nous te le demandons, ouvre nos yeux pour voir la source, souffle sur notre prière pour féconder la foi. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais nos fragilités, mais nous croyons que ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Viens, Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Amen. Et je vous invite à chanter notre premier cantique au numéro 370. À nous tous qui sommes rassemblés ici ce matin, je l'annonce, nous sommes chacun, chacune ici, chez nous, dans cette maison. Soyons à l'aise, déposons notre agitation, nos soucis, nos peines. La grâce de Dieu nous est offerte, alors que la paix du Christ soit en chacune et en chacun de nous. Amen. Bienvenue, oui, à chacune et chacun pour ce temps de culte de ce dimanche matin. Bienvenue à vous, fidèles paroissiens, et bienvenue si vous êtes ici en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus pour ce qui est encore notre, j'allais dire, dernier culte, un peu en mode estival, avant le culte de reprise de dimanche prochain dont je parlerai tout à l'heure. Mais bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps de culte, et nous voulons commencer par la louange. Nous allons le faire en dialoguant le psaume 27 que vous trouvez dans le feuillet que vous avez reçu. Je vous invite à me répondre avec les phrases en italique.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Seigneur, écoute mon cri d'appel, par pitié réponds-moi. Je pense à ta parole, cherchez ma face, je cherche ta face, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me guettent. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour répondre à cette louange par la louange de tout le peuple, Laudate omnes gentes. Nous le chanterons trois fois. Seigneur notre Dieu, l'aspiration à la liberté, n'est-ce pas toi qui nous l'as insufflé au premier jour avec le don de ton esprit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il va? La liberté, notre liberté, n'est-ce pas toi qui le premier l'a honorée en nous proposant l'alliance, pacte d'égal à égal, dans l'échange d'une parole responsable? La liberté, notre liberté, n'est-ce pas toi encore qui l'as sauvée en nous arrachant à l'illusion de nos maisons de servitude? Dieu des hommes et des femmes libres, ne nous lâche pas dans cette lente appropriation de notre liberté. Tant de liens nous paralysent encore, tant d'esclavages intérieurs nous maintiennent à genoux. Tant de possessions nous possèdent. Accompagne-nous jusqu'à ce que nous recevions la grâce d'être libres, libres de cœur et de parole, libres dans le dénuement ou la réussite, libres dans le risque et le don, à la suite de l'homme libre de Nazareth, ton Fils. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu.
Dans l'Écriture, nous pouvons lire là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la promesse que nous a faite le Seigneur, nous offrir son Esprit, alors que cet Esprit, l'Esprit du Seigneur, nous soit donné pour que nous puissions vivre libres, libérés de ce qui nous entrave ou nous possède, pardonnés au nom de l'amour du Christ. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre reconnaissance par le chant avec le deuxième cantique qui est sur le feuillet, « Magnifique est le Seigneur ». Prions. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Nous réchauffe sans nous brûler. Nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 31. Comme ils se mettaient en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit : « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux, « Alors, qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Eh bien, nous, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple, maintenant, en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Parole d'Évangile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le personnage du jeune homme riche est un des personnages les plus fascinants, intrigants de l'Évangile. Alors que Jésus est souvent interpellé par des personnes qui cherchent à le nuire, qui cherchent à le piéger, à le prendre en faute sur l'observance de la loi, cet homme-là vient avec une démarche tout à fait sincère, louable, empreinte d'une piété aussi fidèle que profonde. Et pourtant, Jésus ne semble pas l'accueillir avec l'empathie qu'il a pourtant si souvent manifestée à l'égard de tout un chacun qu'il rencontre, qui vient vers lui, et même souvent des personnes qui viennent à lui de manière inappropriée, inadéquate, maladroite, il ne les renvoie pas de la même manière. Donc cet homme nous fait de la peine. Ici, Jésus, par sa réponse à la question pourtant honnête de cet homme, semble lui proposer une voie tellement exigeante qu'elle est simplement inaudible et inapplicable pour cet homme qui ne peut que s'en aller, finalement, triste et fort dépité. Alors oui, cet homme nous fait de la peine. Il manifeste une soif de vie avec Dieu, de vie éternelle. Toute sa vie, il l'a construite autour de cet objectif de se rapprocher de Dieu le plus possible. Il a été éduqué,
dans le respect de la loi. Il a observé tous les commandements, sans faute et sans faille, et pense sincèrement toucher à la perfection spirituelle. Mais voilà que Jésus, par sa réponse, lui rappelle la radicalité de l'Évangile. Se dessaisir de tout ce qui nous offre une forme d'assurance obtenue par soi-même, notre sécurité, voire même notre confort ou notre identité, pour oser se laisser tomber dans une confiance qui est proche de l'abandon. Mais que c'est difficile pour ce jeune homme qui a construit toute sa vie, son assurance autour de l'accumulation de biens et qui veut vivre sa vie de la même manière, c'est-à-dire dans le toujours plus, dans l'observance la plus stricte aux règles et aux coutumes religieuses, le lâcher-prise que lui demande Jésus le dépasse. Du reste, ce n'est pas un hasard si cet homme n'a pas de nom, mais qu'il est appelé toujours le jeune homme riche. C'est donc son avoir qui détermine son identité. Mais il serait faux de lire cette histoire avec une empathie un peu distante pour ce pauvre homme riche. Ne nous leurrons pas. La réponse de Jésus nous concerne et son appel à lâcher prise est tout aussi difficile et inconfortable pour nous, pour chacun de nous, qu'elle le fut pour le jeune homme riche. Nous qui sommes ici ce matin dans ce temple, pour la plupart d'entre nous en tout cas, nous avons grandi dans cette tradition spirituelle, la foi, venir au culte de temps en temps, lire la Bible, prier, tout cela nous l'avons appris depuis que nous sommes petits et nous avons grandi avec cela. Alors ce matin, c'est un peu comme si c'est à nous que Jésus disait « Tout ce que vous avez appris, mis en place, toutes vos habitudes, vos pratiques religieuses, tout ce que vous croyez être l'essentiel de votre foi, tout cela, en fait, n'est peut-être pas si important. En tout cas, n'est pas la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour vivre dans cette communion profonde avec le Christ. Et quand Jésus annonce qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ne jetons pas trop vite la pierre aux riches. C'est nous que Jésus met en garde contre cette illusion que nous risquons d'avoir que notre connaissance, notre fidélité à l'Évangile, nos pratiques religieuses seraient autant d'indices de notre valeur devant Dieu et représenteraient notre meilleure assurance ou porte d'accès VIP au royaume de Dieu. Cela ne marche pas comme ça. Et c'est dur à entendre. C'est dur à entendre pour le jeune homme riche. C'est dur à entendre pour les ouvriers de la première heure. Vous vous souvenez de la parabole? C'est dur à entendre pour nous aussi. Car cela, semble-t-il, serait quand même plus simple si on pouvait savoir exactement où on en est dans notre relation à Dieu en fonction de notre savoir, de nos connaissances accumulées, de notre fidélité rigoureuse à l'Évangile ou de notre pratique religieuse. Mais l'Évangile nous met en garde. Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Parole d'Évangile. Et ce n'est pas logique. Ce n'est pas notre logique. Mais c'est ainsi que cela se passe avec Dieu. En même temps, ce qui est décontenançant avec l'Évangile, c'est qu'alors que nous croyons que c'est Dieu qui est compliqué, c'est finalement nous qui compliquons les choses. La voie que nous croyons souvent la plus logique, la plus simple,
ne l'est peut-être pas. Regardez les amis de Job, ou les pharisiens, ou les accusateurs de la femme adultère qui voudraient pouvoir compter les bons et les mauvais points et ranger chaque personne dans une catégorie précise, car ce serait quand même plus simple. Ils vont apprendre que c'est en fait beaucoup plus difficile et ils l'apprennent à leurs dépens. L'évangile est de fait radicalement simple, plus simple que toute démarche humaine que nous essayons de construire pour nous rapprocher de Dieu. Ce que Jésus cherche à faire comprendre au jeune homme riche et à ses disciples qui peinent eux aussi à comprendre la radicalité de l'ouverture et de l'accueil inconditionnel du Christ, ce que Jésus cherche à leur faire comprendre, c'est que quand bien même ce jeune homme riche aurait tout perdu, qu'il ne serait personne, sans valeur aux yeux des hommes, sans reconnaissance sociale, sans travail, sans CV, sans connaissance religieuse, eh bien, il pourrait goûter à la joie simple d'être reconnu comme un enfant bien-aimé du Père Céleste. C'est ce que chante si bien le psaume 139, un de mes préférés, qui célèbre cet amour inconditionnel de Dieu qui nous précède avant même que nous naissions et qui traverse toute notre vie quand le psalmiste chante « C'est toi qui as créé mes reins, tu m'abritais dans le sein maternel, je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses, oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret ou tissé dans une terre profonde. » Magnifique psaume qui chante ainsi cet amour donné inconditionnel de Dieu, quoi qu'on fasse. Dieu nous aime comme nous sommes. Et nous sommes, chacun pour sa part, son plus beau miracle. Mais on se rend compte que ce n'est finalement pas si facile d'accepter d'être aimé comme ça, sans condition, sans contrepartie, par pure grâce. On aimerait toujours, dans le fond, y être pour quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça que Jésus utilise l'image des enfants pour décrire l'attitude de ceux et celles qui sont le plus proches du royaume de Dieu, les plus authentiques dans leur relation, car ils se laissent simplement aimer. Ils sont abandonnés à l'amour inconditionnel de leurs parents et doivent spontanément faire confiance à la vie, sans filtre, sans chercher à gagner cet amour sans marchandage. Mais nous, les humains, nous aimons bien les choses plus compliquées. Quand c'est trop simple, on trouve ça simpliste et c'est suspect. Il faudrait quand même mieux devoir mériter cet amour du Christ, l'obtenir, oui, par nos mérites, notre foi, notre pratique, notre obéissance ou notre connaissance. Vivre de cet amour gratuit et inconditionnel de Dieu n'est finalement pas si simple. Accepter cette grâce première d'être aimé, c'est peut-être cela le plus grand défi de la foi. Mais que c'est difficile, même en régime protestant où l'on se vante du salut par la grâce, mais où l'on est prompt à y ajouter force règles morales ou préceptes pour donner accès à la vie éternelle. Oui, à tout âge. C'est difficile à entendre que nous sommes aimés gratuitement quand on nous a tellement martelé ce qu'il fallait croire et faire pour être de bons et de fidèles croyants, qu'au demeurant, nous savons que nous n'arrivons jamais à être pleinement. Nous sommes aimés non pas parce que nous sommes, pour ce que nous sommes ou à cause de ce que nous sommes ou avons fait, mais simplement parce que lui est source de tout amour. Alors voilà le message que Jésus ne cesse de répéter partout où il passe. Tu es un enfant de Dieu et le Seigneur t'aime. Il t'appelle à la vie,
à vivre de manière libre, simple, authentique, un peu à l'image des enfants. À la fois totalement dépendants de l'amour qu'ils reçoivent et avides de découvrir le monde sans a priori. Ce que je vous dis ce matin est bien simple, me direz-vous. On est loin des envolées mystiques ou des réflexions théologiques compliquées ou des constructions philosophiques, charpentées, raffinées. C'est simple, mais pas simpliste. C'est simple, mais pas si facile à entendre. Et c'est peut-être bien alors que, j'allais dire, nous nous remettons communautairement en selle pour une nouvelle année, de réentendre ce message-là. Nous ne pouvons pas avoir d'autres assurances pour la réussite de notre vie personnelle ou pour la réussite de notre vie communautaire que celle de nous savoir aimer chacun, chacune, inconditionnellement. Le jeune homme riche de cette histoire s'en est allé tout triste, car il n'était pas prêt à cet abandon, à ce lâcher prise. Et nous, le sommes-nous vraiment ? Pas sûr. Suis-je prêt personnellement à m'abandonner sans filtre et sans assurance à l'amour du Christ ? Sommes-nous prêts aussi, communautairement, à cette ouverture, à nous laisser toucher par cette joie communicative, libératrice qu'est l'évangile du Christ, en accueillant indistinctement et inconditionnellement tous ceux et celles que le Seigneur mettra sur notre route ? Il s'agit là du béaba de l'évangile, je vous le concède. Je n'ai pas eu à chercher très loin pour cette prédication. Mais en même temps, c'est si difficile qu'il nous faut sans cesse réentendre ce message d'amour, à la fois comme une promesse sur ma propre vie et comme un appel, jamais totalement accompli, à vivre de cet amour. Amen.
Je vous invite à prier avec les mots du poète Pierre-Emmanuel. Seigneur, je n'ai d'autre raison de dire et de dire que tu es, que seul tu es, de dire ce que nul ne veut entendre, ne sait entendre, qu'ici, au cœur de l'homme, il faut creuser, qu'ici est l'eau. J'ai en dégoût ce qui n'est toi, ce qui n'est pas. Je ne vis que d'espérer ta nuit sans image. Elle est ma source et mon Jourdain, mon centre et mon abîme. Baptise-moi au fond de moi, comme l'étoile au fond du puits. Tu m'as fait entrer dans la ténèbre des noces, ne pas te voir, c'est te voir. Ta présence m'aveugle. Nu et néant, je suis devant toi, dont je ne sais que ceci, que je suis néant et nu. Je n'ai d'autre raison de dire et de dire que seul tu es. Amen. Je vous propose ce matin, pour ce temps de prière d'intercession qui est devant nous, que vous puissiez les uns et les autres prier soit dans le secret de votre cœur, soit exprimer une intention de prière à haute voix. Chaque intention de prière sera entrecoupée par le répond au numéro 86. Nous restons assis et Norberto nous joue une première fois le répond 86, puis nous le chanterons. Et ensuite, spontanément, après chaque intention de prière. Oh Dieu, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Seigneur notre Dieu, dans ce monde ravagé par la violence, nous aimerions te demander, telle la prière de Marie dans le Magnificat, de mettre à bas les puissants et d'honorer les plus pauvres, les plus humbles, ceux qui partout dans ce monde font œuvre de justice et de paix, souvent au prix de leur liberté ou de leur vie. Seigneur, nous te prions pour tous ces hommes et ces femmes qui sont emprisonnés, toutes nos communautés sœurs qui sont si souvent malmenées ou violentées pour annoncer ton évangile de paix et d'amour. Seigneur, s'ils sont nombreux ceux qui croupissent ou meurent, seuls et isolés, dans des prisons lugubres, toi tu connais chacun, tu accompagnes chacun, puisses-tu leur apporter lumière et réconfort, et puisses-tu, tel lors de la multiplication des pains, multiplier l'effet de leur action de paix et d'amour pour transformer ce monde en un monde plus juste. Seigneur, oui, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Oh Dieu, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Seigneur, j'aimerais encore te prier pour tous ces jeunes qui, la semaine prochaine, entameront un parcours à la découverte de ton amour. Ils sont nombreux et cela nous réjouit. Continue d'accompagner ceux et celles qui, depuis quelque temps, ont fait la découverte de ton amour. Tous ces jeunes qui apprennent à te connaître. Alors Seigneur, aide-nous à les accompagner dans cette découverte de ton amour et soutiens-les.
Et puis oui, Seigneur, nous te prions pour tous ces jeunes qui n'ont pas toujours une vie très simple, qui passent par des temps de difficultés, de remise en question, d'angoisse devant l'avenir. Soutiens-les, accompagne-les et montre-leur combien tu es le Dieu de toutes les fidélités. Alors Seigneur, toutes nos prières, celles que nous t'avons adressées, celles qui sont restées dans le secret de notre cœur, nous les réunissons maintenant en te disant tous ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Permettez-moi de faire quelques annonces arrivées au terme de ce culte pour vous dire que, bien évidemment, vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte qui sera servi dans la salle de paroisse juste à côté, sur votre droite en sortant. Merci à Octavio qui a tout préparé pour nous ce matin pour le culte et l'après-culte. C'est une bonne occasion de prendre des nouvelles des uns des autres, d'accueillir les nouveaux. Donc, faites le crochet par la salle de paroisse. Pour vous dire que notre culte de ce soir à la chapelle de Champel sera présidé par mon collègue Jean-Michel Perret. Toutes les activités reprennent tranquillement dans la paroisse. Je le dis notamment, il y a un petit flyer qui a été fait qui résume toutes les propositions pour les familles et les enfants qui est à votre disposition à la sortie. Il y a vraiment de quoi contenter toutes les tranches d'âge. Alors, n'hésitez pas non plus, si vous ne recevez pas les informations de la paroisse, à prendre la feuille du mois qui donne les indications et également laisser éventuellement vos coordonnées pour qu'on puisse vous les envoyer directement. Dimanche prochain, nous vivrons un culte d'une autre teneur que celui que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un peu, nous le savons, une communauté à deux vitesses, avec la communauté fidèle que vous représentez, qui est magnifique, et puis une communauté qui vient plus occasionnellement, mais non moins fidèlement, et avec non moins d'enthousiasme et d'adhésion. Ce sera le cas la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir symboliquement les catéchumènes qui vont commencer leur parcours de 2 ans qui les amène au baptême et à la confirmation. Et ils sont, aux dernières nouvelles, ça dépend des jours, mais 25 à commencer, ce qui est un énorme groupe, un très grand groupe, ça nous réjouit infiniment. Et si la dernière volée était essentiellement composée de filles, cette fois-ci, elle est essentiellement composée de garçons. Allez y comprendre, c'est comme ça. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Mais 25 jeunes qui vont donc recevoir symboliquement la semaine prochaine leur Bible de la part de la volée qui les a précédés et qui a confirmé au printemps dernier. Et ceux qui ont confirmé au printemps dernier seront quasiment tous là pour accueillir les nouveaux, leur remettre symboliquement leur Bible, mais également pour rendre témoignage de leur parcours de foi. Il y aura de nombreux témoignages de jeunes qui notamment disent ce qu'ils ont vécu et découvert à travers la foi ou à travers la lecture de l'Évangile. Donc ça va être un beau moment communautaire en perspective. Et nous aurons également Viviane qui sera là comme animatrice musicale. Merci à Marcello qui l'accompagnera puisque notre organiste, deuxième organiste, Tigrane, s'est cassé le poignet. Donc pour un organiste, c'est un peu compliqué. Et puis, dimanche prochain, il y aura également des activités qui sont prévues pour les familles et les enfants. Nous aurons garderie et culte de l'enfance animé par Marie Lèche la semaine prochaine, donc avec certainement de nombreuses familles également présentes pour le démarrage des activités enfance dimanche prochain. Le culte de dimanche prochain sera suivi, comme toujours, par un après-culte. Et pour ceux qui le veulent, et Frédéric en particulier, un repas communautaire qui suit, comme toujours, puisque tu es notre fidèle parmi les fidèles. Mais oui, dimanche prochain, ce sera donc une belle, une,
une belle rentrée dans cette nouvelle année paroissiale. Voilà, il y a évidemment toutes sortes d'activités qui reprennent aussi pour les adultes, avec le séminaire de Vincent, avec les apéros théologiques. Le prochain thème de l'apéro théologique, on reprend une grande question classique, c'est toute la question de la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi tout cela arrive-t-il? Une grande question, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément la réponse, mais on aura en tout cas envie d'en débattre. Voilà, un beau programme donc en perspective. Maintenant, c'est le temps de notre cantique d'envoi, pendant lequel l'offrande va être recueillie pour la vie de notre communauté. Je vous invite à donner généreusement, et c'est le cantique 405 que nous chantons. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette offrande, pour la capacité que nous avons à pouvoir donner. Seigneur, oui, bénis le travail de ceux et celles qui ont la charge de notre communauté, pour que nous puissions toujours utiliser au mieux les biens et les personnes qui sont au service de la proclamation de ton évangile. Amen.